Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Evoland 2 sur PC. D'un fois nous étions arrêtés juste ici, toujours dans le laboratoire de Giro, et nous allons tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la fin parce que moi oui. Donc comme dit, nous allons tout de suite continuer. Voilà, donc j'espère que vous savez bien que vous pitez le fond parce que oui. Donc nous allons tout de suite continuer à avancer dans cette phase de time battle. Qui ne m'enchante pas trop cette phase, hein, pour tout vous dire. Ce n'est pas ma phase préférée. Allez, c'est un coup critique, tiens. Vérification de la demande d'accès à l'espace 3 confiné 3. Initialisation du test de Turing. Space Invader. Je vais sûrement perdre. Hein. Perdu, d'accord. C'est méga chaud, hein, Space Invader. Déjà perdu? Non. J'espère que je vais réussir, mais ça a l'air d'être assez chaud. Non, je vais réussir. Presque, encore une fois, c'est vraiment trop dur. Nice. La connaissance confirmée. Ça va, celle-là n'est pas alimentée au moins. Oh non, je le savais, j'y suis allé quand même. Pourquoi j'y suis allé, Sniff? De glace. Soit
c'est pas lui que je tapais. Voilà. Non, pas ce que je voulais faire non plus. Voilà. Alors. En fait, je vais pas passer par là, on dirait. Combien on parie que cela ça va gros? Ah non. Toujours pas. Ok. Alors, activons. Vérification de la demande d'accès à l'espace confiné 4. Pac-Man. Pas l'air de réapparaître par contre. Ça va, c'est pas le vrai Pac-Man, donc c'est plus simple. C'est vrai, je peux passer sur les côtés, j'avais zappé. Et voilà, le dernier. Gagné. 23h, ouais. Ok, let's go. Faites que ce soit la fin, je vous en supplie. Allez, allez, allez. Pourquoi ça coupe tic là? Oh flûte, c'est obvious. Ah, il est bientôt mort. Ah, flûte ça. Ok, d'accord, ça cancel, je vois. Je comprends.
pas ce qui était prévu, mais c'est pas grave. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors. Le temps passe vite, bientôt la guerre trouvera une solution. Oh, un Metroid. Pourquoi j'ai l'impression que c'est lui le boss ? Oh, elle est toute mignonne cette créature, peut-être on devrait la libérer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as tout à fait raison. Et voici Mozart. Qu'est-ce que c'est de cette horreur? On dirait un énorme cerveau gluant. Sûrement le résultat d'une expérience qui a mal tourné. J'espère juste que ce n'est pas d'un figurin, sinon on va tous y passer. Celui aura survie dans ces cas-là. Apparemment, ces créatures métalliques ont décidé de la protéger. Le boss, ok. Confusion. Magie, arme de glace. Ça va pas être si dur que ça, je pense. Nice. Flûte, hein, j'ai oublié. Ton bouclier. Magie, soin, on soigne une belle bête. Armure de glace. Hein.
Non, fail, c'est pas ce qui était prévu. Je vais sûrement mourir. Il est mort? Il est mort. Ouais. Trop bien. Je suis niveau combien? Je suis niveau 20, ok. Juillet 1949, le CGX résiste plus que prévu. Sa puissance a nettement diminué et l'énergie aussi extraite a été stockée dans l'arme. Je vais relâcher mon contrôle sur elle pour pouvoir l'interroger. Terminé. Alors c'est ça l'arme. C'est de l'énergie. De l'énergie pure extraite de ce sujet X. Nous n'avons pas trouvé le professeur Giro, mais il n'avait pas l'air très sympathique. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Je n'en sais rien. Mais peut-être. Peut-être qu'il avait ses raisons. Peut-être qu'il voulait protéger quelque chose ou quelqu'un. Protéger? Je ne sais pas si cela justifie ce danger. Quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'on peut pour le protéger. Et toi, Fiona, que voudrais-tu protéger? Kuro. Il m'a protégé depuis qu'on s'est rencontré contre toutes sortes de dangers. Alors j'aimerais pouvoir le protéger à mon tour. Mais dans ce cas, il faudrait qu'il soit en danger. Mieux vaut ne pas souhaiter que cela arrive. Tu as raison. Avec ces voyages dans le temps, je commence à mélanger les causes et les conséquences. Le monde est si simple avant. Tout avait un début et une fin. On ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. On ne pouvait qu'avoir des regrets. Je me demande ce qui se passera lorsque nous aurons détruit cette arme. Quel viendra-t-il du futur que vous avez visité et de tous les gens qui y vivent? Je me fais surtout du souci pour Menos. Il est resté là-bas dans une époque qui n'est pas la sienne. Que va-t-il lui arriver? Menos, prince de Démonia, j'ai toujours du mal à croire que vous l'avez rencontré. Vous savez que des milliers de pages ont été écrites pour tenter d'expliquer sa disparition. J'aurais tant aimé le rencontrer. Et maintenant, comment on va faire pour détruire? Il y a forcément une solution. Personne ne bouge. Ah, c'est eux. Si vous pensiez vous êtes débarrassé de nous, vous vous trompiez car nous sommes les forces spéciales de l'Empire. Rendez-vous, vous êtes cernés. Cette fois pour de vrai. Il faudra nous battre pour pouvoir vous enfuir. Ne leur pas de mauvaises idées. Moi, j'ai aucune envie de les affronter, j'en ai trop de moins fort. Rendez-vous sans vous battre. Qu'est-ce qu'on fait? On leur remet la raclée. Kuro, tout va bien? Ma tête, j'ai mal. Kuro. Tu me rappelles, cette arme, il faut que je... Kuro, non! Ne fais pas ça! Arme 001 activée. Destruction imminente, veuillez évacuer les lieux. Kuro, pourquoi tu fais ça? Tout va être détruit par ta faute. Excuse-moi, Fina. Cette voix, dans ma tête, qui es-tu? Tout est fini. Mais non, ça ne fait que commencer. Maman, c'est toi, hein? Doucement, calme-toi. Tu as dormi presque 9 heures. Je vous laisse lire. Thank you.
Ouais, c'est reparti. Donc, nous avons fini la phase Time Battle. Regardez à droite, c'est C16. Tu vois, j'ai aussi des souvenirs de toi. Je pense, nous partageons quelque chose. J'oubliais, prends ça, c'est important. Terminal de contrôle, un système qui a l'air technologiquement très avancé. Cet objet te permettra de voyager dans les époques et permet d'activer les modalités. Utilise-les pour trouver les fragments. Je vais vous ouvrir à tous au passage. Kuro, tu veux des informations sur les fragments de la clé Magi? Oui. Des informations au sujet de quel fragment? Fragment du feu. J'ai déjà rencontré des pirates. Leur repère se trouve dans ton présent près d'un volcan. Ils les tiennent le fragment du feu. Désormais, je suis de quel fragment? De la glace. À l'époque de l'Empire, avant que le continent gelé ne commence à fondre, vivaient les féroces vikings et gardent le fragment de la glace. Des inventions sur quel sujet? Nature. Loin au sud-ouest se trouve une île. Une forêt hors du temps. En son cœur, tu trouveras le fragment de la nature. Des inventions de la terre. Les démons ont caché le fragment dans leur temple le plus sacré. Oui, son emplacement a été perdu lors de la destruction de démoniaque pendant la Grande Guerre. Des inventions au sujet de quel fragment? Du temps, il existait un Magillite spécial dans la vallée du vent. Il donnait accès au fragment du temps le plus mystérieux de tous. Des informations. Ok. Pour trouver le fragment, il te faudra voyager dans le temps. Utilise le contrôleur que je t'ai donné sur un Magillite. J'aimerais t'accompagner, mais je dois. Reviens me voir si tu veux des informations sur les fragments. D'accord. Téléportation, Scotty. Sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Ok. D'accord. Donc faisons un peu le tour. Pour voir si des choses ont changé. Ça va, c'est bon. Voilà, j'y pense à le reprendre. C'est une machine vraiment très intéressante. Je me demande qui a bien pu la fabriquer. Tu penses que nous pourrions en avoir besoin? Je suis d'accord. Il n'aurait pas volé très loin, ni très longtemps. Je te demande parfois où tu ranges tout ça. Bonne question. Et donc on a le contrôleur. Ok. On va aller chercher. Bon, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Ouais, on suis sûr, on va aller chercher notre cher ami. Allons-y. Là, c'est le jeu qui commence vraiment, on va dire. Nice. Faisons un peu le tour de la zone. Retournons sur l'île maudite et allons chercher notre ami. S'il y est toujours, bien entendu. Et qu'est-ce que tu racontes? Ah! Ce n'est qu'une hypothèse. Il est tout spécial, tout droit dans ma parole. D'accord. On a déjà lu ça. Ok.
Donc, il suffit d'aller le rechercher, hein. Menos, comme je suis heureuse de te revoir. Salut Snail, mademoiselle Fina. J'ai cru que vous aviez disparu, que cela veut donc dire que le magic n'a pas fonctionné ici. Si, tout a bien fonctionné, mais c'est une longue histoire, par où commencer? J'ai encore du mal à le croire. Mon fils, un terroriste, et l'arme. Il faut moins que je m'inquiète. Reno n'est plus un enfant à cette époque, il a sûrement pu s'échapper avant l'explosion. Peut-être le reverrai-je. J'ai moi-même été très surpris de voir ces deux apparaître. Et lorsqu'ils m'ont tout raconté, je n'y croyais pas vraiment. Qui croirait sur parole des gens qui prétendent venir du futur? Je n'ai vraiment été convaincu qu'après avoir parlé avec Cérès. Cérès, peut-être qu'on lui faire confiance. Elle nous a sauvé de l'explosion de l'arme. Et elle nous a indiqué comment rassembler les fragments de la clé magie. Je le sais, mademoiselle, et je lui en suis gré. Sans elle, jamais je ne vous aurais revu. Mais mon père m'a souvent répété qu'on n'a jamais rien sans rien. Pourquoi vous a-t-elle aidé? Voilà ce que j'aimerais savoir. En tout cas, sa connaissance de magie ne fait aucun doute. Les rares descriptions de la clé magique que j'ai étudiées confirment ce qu'elle nous a expliqué. Cela ne changera rien pour mon fils. Au contraire, si nous avançons l'arme de la trame temporelle, Reno n'aura jamais l'idée de chercher à l'activer. C'est une bonne partie de l'histoire qui sera écrite. Pour tout vous dire, cela me terrifie. Comment être sûr des conséquences que cela engendrera? Je ne resterai pas sans rien faire. Quoi que l'on fasse dans la vie, il y a toujours un risque. Et franchement, ça ne peut pas être pire que la situation actuelle. Je suis d'accord avec Mademoiselle Fina. Quoi que nous changions, cela ne fera qu'améliorer les choses pour moi. Pour nous sûrement, peut-être pas pour tout le monde, mais j'imagine que cela vaut le coup d'essayer. J'espère que nous faisons bon choix, Kara. Rapportons vite les fragments de la clé magie à Cérès. Je suis heureux de pouvoir t'aider à nouveau, Solid Snail. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? J'essaie de chercher ce que je pourrais faire pour les vidéos, pour la vidéo en fait. Je pense que je vais visiter un peu toutes les époques, dans chaque endroit. Et j'irai pas aux endroits où je dois aller bien entendu, hein, juste pour collecter les objets annexes. Et si jamais il y a quelque chose qui arrive, genre qu'on rencontre des personnes, etc., je reprendrai la vidéo. Donc on va faire une petite ellipse tout de suite. Allez, ellipse. Et me revoici, je reprends la vidéo pour dire que en fait j'avais pas vu la durée. Donc finalement nous allons nous arrêter là, donc je vous dis déjà l'avancée que j'ai fait entre l'ellipse avant. J'ai fait quelques parties de Card of Game, donc j'ai gagné quelques cartes. J'ai utilisé un mana pour chacun pour l'améliorer au premier rang. Et ensuite là je suis allé sur l'île des pirates à la première, au passé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était tout, prochain Tibon HD, passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.